La civilisation de l'Égypte ancienne a toujours été associée au mystère. Cette exposition satisfera la curiosité des visiteurs en leur donnant l'occasion de découvrir la diversité de la culture égyptienne. Que s'est-il passé pendant la période gréco-romaine dans l'histoire égyptienne? Quelle était l'importance de la vie après la mort? Cette section présente la culture et les croyances de l'époque. 107 groupes de trésors rares exposés ont été prêtés par le musée de Manchester. Ces momies d'or représentent l'un des points forts de cette exposition. Ils révèlent la fascination des anciens Égyptiens pour la vie éternelle. Les six momies dorées datent du 1er siècle après J.C. À cette époque, les cercueils en bois n'étaient plus utilisés. Les momies étaient recouvertes de masques et enveloppées dans des bandages de lin. Le corps des dieux égyptiens était recouvert d'or. Le fait de recouvrir le corps d'or était considéré comme une protection magique. L'exposition comprend également 11 portraits de momies Fayoun et 2 portraits de momies datant d'environ 2000 ans. Les portraits de momies Fayoum sont l'un des plus anciens types de portraits conservés au monde. Ils ont été découverts dans les années 1880 et ont changé le point de vue des gens sur le développement de l'art. Chaque portrait est peint avec la cire chaude et de la peinture mélangée sur une fine planche de bois pour créer un effet réaliste qui répond au goût moderne. Les portraits reflètent également la communication et le mélange de différentes cultures. L'exposition est disponible sur de nombreux contenus des nouveaux médias, dont 3 documentaires, 7 écrans tactiles interactifs et 3 écrans d'affichage de tomographie pour les momies. Pyramides, momies et hiéroglyphes, l'Égypte ancienne possède des éléments uniques. Les visiteurs sont très curieux de cette culture. Maintenant que plus de 100 précieuses reliques ont voyagé jusqu'à Pékin, c'est une grande chance pour les visiteurs d'en apprendre davantage sur la civilisation égyptienne ancienne. À la fin de l'exposition, vous pouvez également récupérer des décorations et vous déguiser pour prendre des photos amusantes. J'ai toujours voulu visiter l'Égypte, mais je n'ai pas pu y aller à cause de la pandémie. Je suis très content que l'exposition soit juste à côté. Je m'intéresse aux civilisations anciennes, à leur culture et à leur histoire. Je veux aussi apprendre leur lien avec la civilisation chinoise. Rencontrer l'Égypte, les expositions des momies d'or se déroulent jusqu'au 15 novembre.